Alors, normalement, redémarrer. Voyons, voyons, voyons. Alors, invité Diana, hop, ajouter. Alors là, je vais couper le son. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que tu Alors, m'entends? oui. Est-ce que toi tu m'entends? Moi, je t'entends. Ok. Juste J'entends pour pas la caméra. d'écho. Il y a plus d'écho. Oui, il y a plus d'écho. Parle pas trop vite. Ah, pardon. L'oreille juste pas trop vite. Ok. Bon, Donc là, c'est alors, bon. Alors, dites-nous redémarrer, tout. Jean. Est-ce que vous entendez? Alors, recoucou Michel, je viens d'écouter le replay. Alors, en effet, je n'avais pas entendu, pourtant j'écoutais le live, mais ça a dû bugger. En effet, l'INSEE à 6 ans, elle avait bien de la fièvre, comme tu as dit. Et je trouve que c'est long à se remettre, car aujourd'hui, plus de fièvre, mais limite déshydratée, car diarrhée. Donc, je la fais boire à fond. Ça s'améliore doucement, mais ce n'est pas trop passé encore. Et c'est vrai que ce n'est pas son habitude. D'accord, mais moi j'avais, je sais pas si tu as entendu dans le live, Amandine, j'avais la sensation de fièvre ou de, je t'avais dit aussi de, tu sais, comme une infection urinaire ou quelque chose comme ça dans ce style. Est-ce que ça te parle ou est-ce qu'il y a eu quelque chose de rien? Coucou Céline. Oui. Recoucou Mireille, pas d'infection, ok. Je ne sais pas, j'avais, tu sais, comme une notion de fièvre, mais quelque chose qui cause la fièvre. Tu vois ce que je veux dire? J'avais la sensation d'un. Je sais pas, tu sais, comme une bactérie, quelque chose comme ça, qui cause le. Le médecin n'a rien de spécial. Okay. Ben, je ne sais pas, peut-être qu'il y avait quelque chose comme, tu sais, comme une infection urinaire, hein, bactéries, microbes ou quelque chose comme ça. Mais bon, si elle va mieux, voilà, tant mieux. Hydrate-la bien, surtout. Du coup, ma belle, tu en étais où? Tu étais à. Moi, j'étais à Francis. D'accord. Alors, est-ce qu'il est toujours là? Normalement, oui, je crois que je l'ai vu. Il a dit qu'il entendait. Francis. Alors, Francis, D'accord. tu avais tiré, avant que ça coupe, messager de l'action. Alors, quelque chose de nouveau et d'excitant est entré à votre esprit créatif ou votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Ça va te parler aussi, Francis, tu as décidément. Alors, messager de l'action. Alors, quelque chose de nouveau et de passionnant attire votre attention et désormais, vous ne pensez à rien d'autre. Votre passion est telle que vous voulez faire le tour de la question, tout savoir. Vous avez un projet ou un sujet qui vous intéresse au plus haut point et vous voulez passer à l'action, mais vous ne savez pas si vous êtes prêt. Ne soyez pas inquiet, vous l'êtes à 100%. T'inquiète pas, Francis, tu peux y aller, vas-y, fonce. Pour résumer. Oui, t'as vu, Mélie, on m'entend parfaitement, je suis revenue, j'ai ressuscité. Ils mourront pas. Alors, j'ai vu, alors, une question, Elisabeth. Alors, je ne vais pas dire votre nom non plus.
J'aurais aimé savoir où j'en suis dans mon avancée spirituelle. Merci. Alors, Elisabeth, je ne vous ai pas eu déjà la dernière fois, Elisabeth. Je crois que je sais plus. Je ne sais plus. Alors, Elisabeth, vous me dites si ça vous parle ou pas. J'ai la sensation de peur. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la sensation de peur, vous me dites par rapport à votre avancée spirituelle, j'ai cette notion de peur. Oui, si, oui, non, la peur. C'est pas autre chose. Vous avez peur de quelque chose? Peut-être que vous avez comment dire, des capacités, des perceptions qui se. Ouais, je crois que c'est ça. Des perceptions qui se développent, j'ai envie de dire. Et je ressens des peurs. Donc, du coup, par rapport à votre question, l'évolution se fait difficilement, peut-être parce que. De la pensée. Parce que justement, il y a ces peurs. Alors, j'ai cinq de la pensée pour Elisabeth. Peur de me tromper de voix. C'est-à-dire. Cinq de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous déranger. Me dit quelque chose. La dernière fois, Virginie. Ne sais plus. Dites-moi si ça vous parle. J'ai la notion de peur. Donc, du coup, comme si. Sais pas. Comme s'il y avait des blocages dans l'avancée. Coucou Marie-Pierre. Oula, qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Alors, Ça recommence? ça Ah, ça y bug. est, je t'ai perdu. C'est bon. Mais non, je suis là. Mais non, je suis là. Ça bug. Là? Oh. Oui? Je pense que c'est la connexion. Oh là là, bon écoutage. Alors, il veut un message. J'ai vu quelqu'un, je sais pas qui c'est. Alors, attends, Marie-Pierre. Bonjour Michel, un message. C'est pour Michel. Alors, Sandra Couronne. Stéphane. Allez, un message pour Stéphane. Donc apparemment, je ne parlerai pas assez fort. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Un message pour Stéphane. C'est l'habitude, on ne dit pas ça. Hein. Mélie, arrête de dire que tout le temps c'est moi. C'est pas tout le temps moi. Stéphane. Elle m'accuse, elle me pointe du doigt. Oui, Elisabeth, je pense que c'est ça. Je pense que c'est vous qui. C'est comme des peurs. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est des peurs qui créent des blocages, en fait. Bah alors. Je
Bon. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Mais il y a des fois comme ça, il y a des jours comme ça, ça veut pas. Je vais faire autrement. Hein. Neuf de l'émotion. Ah, sympa. Alors, vous vivez... Hop. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Très belle carte. Alors, neuf de l'émotion. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves deviennent réalité. Tout ce que vous espériez est en train de se réaliser. Inutile de vous inquiéter ou d'avoir peur. Les questions que vous vous posiez sont sur le point d'être résolues. Tout va bien se passer. Vous vivez un moment magique. Vos projets se déroulent comme vous l'avez imaginé, voire mieux. Un sentiment de joie et de satisfaction vous envahit, Stéphane. Il y a beaucoup de douceur. Ouais. Il y a beaucoup d'amour pour Stéphane. Il y a beaucoup d'amour ou il va y avoir beaucoup d'amour. C'est drôle. En tout cas, c'est bien. Ah, c'est beau ce que je vois. Je ne peux pas vous le montrer, mais... C'est beau. C'est tout rose. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est rose. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est de l'amour qui... L'amour qui est là. Mais il y a un truc. Donc, c'est bien. Félicitations, Stéphane. Bravo. Coucou, Nathalie. Alors, Marie-Pierre. Ben alors, ma belle, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, j'ai l'impression que tu es reparti dans tes tranchées, tu me dis. Si tu es toujours là, je pense que oui, parce qu'il me semble t'avoir vu juste avant, me semble-t-il. Dis-moi si tu es toujours là, Marie-Pierre. Mais j'ai la sensation que tu es... Que tu es reparti dans tes pensées, ma belle. Que se passe-t-il? Pourtant, la dernière fois, c'était top. Tu avais super bien avancé. Je te sentais beaucoup plus sereine, beaucoup plus libérée, j'ai envie de dire même. Mais là, je sens que tu es... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose qui a fait que... Que tu sois... c'est comme si je te vois comme si tu avais fait enfin ton pas en avant, que tu libérais super bien et tout. Et c'est comme si tu avais fait un pas en arrière. Je ne sais pas si je m'exprime correctement. Désolée. J'ai du mal, je suis fatiguée, j'ai du mal. Qu'est-ce qui est dit, Mélie? Tu vois des trucs tout roses, il y en a, faut me dire ce que tu conseilles. Je ne lis même pas, parce qu'après, ce n'est pas la peine, hein, je ne lis pas. C'est ça. Non, mais elle... Mélie, ça suffit. Un peu de sérieux. Oui, c'est Mélie qui embête tout le monde, là. Sabotage. Ah, c'est toi, Mélie, qui fait tout bugger, c'est ça, hein. Elle est partout, cette mêlée. Alors, ma belle Marie-Pierre, oui. Tu vois, c'est ce que je te disais, dans ta carapace, j'ai l'impression que tu es reparti dans des... Que tu t'es renfermée, ma belle. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Il y a eu un événement qui a fait que... C'est ça. Alors, là, j'ai libération pour ta carte. J'attends que le truc il zoome.
Tu vas zoomer ou pas? Non. Bon, il ne faut pas zoomer. Libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. Tu vois, c'est exactement ça, Marie-Pierre. Que s'est-il passé, ma belle? Parce que là, tu étais. C'est-à-dire, la dernière fois, c'était trop bien, quoi. Que s'est-il passé? J'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui a fait que ça t'a fait revenir. Tu as fait un autre pas en arrière cette fois. Donc. Tu vois pas? Il n'y a pas eu quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose qui. Peut-être quelque chose qui t'a perturbé ou. Ça ne s'est pas goupillé correctement et du coup, tu as fait clac. Je repars dans ma coquille là. Oui, c'est sûr, oui. Mais moi, je trouve Virginie depuis hier, je sais pas pourquoi, je sais pourquoi et pas pourquoi, mais bon, moi, depuis hier, je trouve que c'est beaucoup plus doux. Il y a eu comme une montée en vibration et je ne sais pas, je pense que c'est plus doux, je trouve. Ouais. Tu me dis, Marie-Pierre? Je crois qu'on va te perdre. Tu fais nounou le petit robot là. Hein, c'est ça, je t'ai perdu. Je t'entends plus. Je t'entends plus. Je pense qu'on l'a perdu. Ou alors c'est nous deux qu'on a perdu, je ne sais pas. Diana, je crois que je l'ai perdu. Je crois aussi, oui, Coco, qu'elle est repartie sous l'eau. Je l'ai plus. Où es-tu? Avis de recherche. Diana, où es-tu? Alors. Hop, non. J'ai plus Diana. Bon, je crois qu'on l'a perdu. Où es-tu? Oui, c'est ça, Virginie. En fait, ouais, depuis hier, alors ça chamboulait pas mal jusqu'à maintenant, mais c'est vrai que depuis hier, voilà, je sais pas, il y a comme un renouveau, il y a eu une hausse de vibration et en vibration et je sais pas, c'est pour moi c'est, je le sens plus léger, plus je pense qu'elle doit avoir des soucis de réseau, à mon avis. Bon, alors ce que je vais faire, je vais prendre quelqu'un en attendant que Miss revienne. Je la vois pas. Je la vois pas encore. Alors, elle est là, elle est plus là, elle est là, elle est plus là, c'est ça. Je pense que ça doit être un souci de connexion, à mon avis. Alors, création d'entreprise aussi. Il y a beaucoup de créations, je trouve, en ce moment.
Alors, Coco Le Havre, je voudrais, si possible, savoir si les portes vont s'ouvrir pour le travail ou ma création d'entreprise, s'il vous plaît. Alors, vais pas tarder à arrêter parce que là, je sens que ça commence à saturer un petit peu là. Alors, je vais faire. Coco. Je vais faire Coco, puis après je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vais récupérer Diana. Je ne sais pas. Je la vois plus. Elle a disparu. Diana est demandée à l'accueil, s'il vous plaît. Casper me dit. C'est ça, Virginie. C'est ça. Alors, donc je disais, pour Coco, êtes-vous toujours là? Alors, Coco. Alors, j'ai déjà plus le message, mais ce que j'ai encore en tête, c'est professionnel. Alors, soit mise à votre compte, soit un boulot, si j'ai bien compris. Et moi, je penche plus pour votre mise à, la mise à votre compte. Oui, je suis là. Je penche plus pour. Je l'ai perdue, hein. Elle revient pas. Mais tu es où? Je penche plus pour à votre compte. De la pensée. Alors, je regarde si. Non, toujours pas là. Je pense qu'elle a dû avoir un souci de connexion, à mon avis. Deux de la pensée pour Coco. Deux de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre. Ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Je pense que ça penche plutôt pour pour l'entreprise, pour vous mettre à votre compte. Après, bon, j'aime pas donner dans le temps, pas donner de date, mais je penche plutôt, voilà, pour vous mettre à votre compte. Je sais pas si ça vous parle, dites-moi. Mais ouais. Peut-être pas dans l'immédiat, parce que comme dit la carte, pardon, c'est vrai qu'il y a une espèce de balance. Je vois comme une balance, c'est-à-dire que d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre, un peu de. Vous savez pas trop en fait. Mais moi je penche plus entrepreneur. Je pense. Vous me direz. Alors, Diana, elle est où? Où es-tu? Coucou Catherine. Tout à fait ça, je ne sais pas quoi faire. Oui, je préfère car travail, je galère. Mais depuis toujours, je galère. Donc, je vais me lancer. Après, c'est à vous de vous écouter, hein. Voilà, faut vous écouter. Faut vous écouter. Coucou Nat. Bon, Diana, où es-tu? Est-ce que je vais te récupérer ou pas?
Est-ce que je vais te récupérer ou pas? Moi, je crois que je vais arrêter là. Je crois. Non, non, on t'a pas oublié. On t'a pas oublié, on t'attend. Si tu veux en faire encore un peu, parce que moi j'arrête là, c'est, ça y est, j'ai atteint mon quota. Je vais aller me ressourcer. Partie dans les couleurs du temps, Sandrine. Alors, où es-tu? Attends, je vais remettre les messages ici. Hop, hop, hop. Où es-tu? Où es-tu? Je vois Virginie. Là. Voilà. Je t'en l'invite. Je suis là. Ça y est, t'es revenu. Oui, bah oui, mais on m'a boycotté. On voulait plus que je me connecte. Je crie au scandale. Oui, tu as raison, Michel. Il faut qu'on se repose. Je pense que les anges ont décidé, nos guides ont dit ça y est, stop, arrêtez, gros, c'est bon. Vous en avez fait assez jusque maintenant. C'est ça. C'était fort sympathique. Ouais. C'était fort. Bon, beaucoup ont eu leur message, hein, quand même. C'était sympa. Donc voilà, on a fait le travail. Non, je joue pas cache-cache, on m'a supprimé, j'ai pas compris. C'est pas ma faute, c'est pas ma faute. Je t'ai entendu. Oui, merci à toi, Michel, c'était très sympa. Ouais. On essaiera de refaire ça une prochaine fois quand on sera en grande forme. Ouais. Ça serait mieux. Ouais, voilà. Et puis voilà, bah, donc merci à tout le monde, merci d'avoir participé, j'ai beaucoup ri. Moi aussi. Comme d'habitude. Donc voilà, je vous embrasse tous très fort. Merci infiniment, Michel. Et voilà. Bonnes vacances. Ouais, bonnes vacances à tout le monde. Et bon dimanche. Reposez-vous bien surtout, c'est important. Et voilà. Donc je vous embrasse tous très fort et je t'embrasse très fort aussi, Michel. Bye Bisous, ma belle. bye à tout le monde. Bye bye.